Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du meilleur outil. Du meilleur outil qui va te faire progresser et évoluer en musculation. Que ce soit en prise de masse, en prise de muscle, en perte de poids, en perte de gras, la balance, ce sera ton meilleur allié. Et je vais te parler de ça aujourd'hui. Et bien entendu, si tu me suis un peu sur Insta, sur les réseaux, tu sais que la marque Yundo m'a contacté pour envoyer une balance et des élastiques pour que j'en parle en vidéo. Ok, bon, c'est simple. Mon but n'est pas de vendre le produit. Ils m'ont dit eux-mêmes, dans le mail qu'ils m'ont envoyé, ça serait bien que tu en parles. D'accord? Ils m'ont donné aucune clause. Donc, c'est pas une clause sponsorisée. Je suis pas payé pour le vendre. Et moi, j'ai décidé de te faire une vidéo pour te parler un peu des balances. Parce que ça, c'est les balances qui englobent toutes les balances que tu vois actuellement, les balances connectées qui font tout, d'accord? Tu peux te peser, tu calcules ton taux de masse grasse, ton taux osseux et tout, enfin tu calcules tout et ça, c'est très très bien. Mon but dans cette vidéo, c'est de te dire si c'est utile ou pas, à qui ça correspond ou pas, si moi j'utilise les fonctionnalités ou pas, pour te donner des infos tout simplement et te convaincre à l'achat ou non d'une balance de ce type. Cela dit, le lien de leur site et tout est dans la description. Donc si tu veux te procurer une balance de ce type ou voir les articles qu'ils proposent, je t'invite à aller voir tout simplement. Sachant que je précise, je ne touche rien dessus. C'est juste un partenariat simple, facile. Et grâce à vous aussi, je vous remercie, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui s'abonnent, parce que voilà, grâce à vous, on a des petits trucs cool. Donc je peux en parler et ça peut nous aider à évoluer tous ensemble. Et c'est une balance qui sera dans le futur manoir de Dame Jordan. Alors des balances comme ça, j'en ai utilisé beaucoup. C'est des balances qui fonctionnent avec une application, d'accord? Tu montes dessus, tu t'enregistres avec ton poids, ta taille, tes mensurations, tes activités physiques, sportives. Et ça calcule plus ou moins tout, d'accord? Tout. Le taux d'eau, enfin l'eau que tu as dans le corps, la rétention d'eau, la masse grasse et tout, toutes tes balances comme ça, ils font à peu près la même chose, d'accord? J'ai sauvé l'application, c'est la même chose que j'ai eu avec toutes les autres balances. C'est très très bien, d'accord? C'est très complet. Mais à mon niveau, honnêtement, j'utilise pas toutes les fonctionnalités. Après moi, c'est simple. Là, je suis à un niveau où physiquement, bah, je suis bien, d'accord? J'ai pas d'objectif physique en vue. Là, je suis juste bien. Ça veut dire que parfois, je peux me réveiller et je peux me dire, je vais être un tout petit peu plus balèze ou un tout petit peu plus sec, mais je me sens bien, je suis heureux. Et à chaque fois que je monte sur une balance, c'est juste pour voir mon poids actuel. J'ai pas besoin de voir ma rétention d'eau, j'ai pas besoin de voir le taux de muscle que j'ai pas besoin de voir tout ça, d'accord? Parce que moi, c'est simple. Tant que je me plais au miroir, c'est bon, ok? Après, tu vas me dire, bon, dame, si tu dis ça, cette balance, ça sert à quoi? Moi, je t'expliquais selon moi à quoi elle sert. Tu vois, je t'ai fait une vidéo sur le foot américain. Dans des vidéos motivation, précisément dans une vidéo motivation, je t'ai montré où je m'entraînais avec une balle de foot US, tu vois. Ça m'a donné envie de reprendre le foot US. Je te cache pas, ça m'a vraiment donné envie. Mais avec les mesures actuelles du Covid et tout, je sais pas quoi, je me suis dit, franchement, cette année, payer une licence de foot US et faire aucun match, c'est pas intéressant. Ou se forcer à se vacciner pour faire des matchs et on sait pas comment ça se passait, c'est pas intéressant, malheureusement. Donc, si je suis amené à refaire une saison de foot US, enfin du moins à faire une vraie saison de foot US, ben là, cette balance va me servir à calculer mon taux de masse grasse et ma masse musculaire afin de trouver un bon équilibre aussi avec mon IMC, pour être le meilleur joueur, le plus performant possible sur le terrain et dans mes entraînements. Là, ça va me servir. Mais sinon, actuellement, une balance me sert juste à voir mon poids actuel. En revanche, là où, selon moi, les balances de ce type peuvent te servir à toi ou à n'importe qui, c'est dans plusieurs cas. Le cas où tu commences la musculation, d'accord? Tu commences la musculation où tu veux prendre du poids, tu veux faire une prise de masse. Ou tu veux perdre du poids, tu veux faire de la musculation, tu veux perdre du poids, ou alors juste perdre du poids sans faire la musculation. Et sinon, tu es un athlète de haut niveau ou tu aspires à être un athlète et tu veux avoir un corps optimal pour le sport que tu désires de faire ou pour le sport que tu fais actuellement afin d'être pro. Pour moi, ces cas-là,
T'es obligé d'avoir une balance comme ça. Vraiment. Tu vois, si tu fais une prise de masse contrôlée, les balances de ce type peuvent être très intéressantes. Dans le sens où que voilà, quand tu fais une prise de masse, tu prends plusieurs repas dans la journée et tu as besoin de voir si ça marche pas réellement toutes les semaines et les mois et tout. Bon, tu vas pas te peser tous les jours, mais les semaines, les mois, tu te fais un bilan et tu vois si ce que tu as fait, ça marche. Et là où c'est très intéressant, c'est que si tu fais une prise de masse contrôlée, tu vas vraiment prendre du muscle et pas beaucoup de gras, ben là, tu peux vraiment voir si ton programme, si ta diète ou si la diète de ton coach, c'est un coach, tu peux voir si ça marche réellement ou pas. Ou tes entraînements, tes programmes d'entraînement, tu peux voir si c'est bénéfique ou pas. Parce que cette balance va te montrer ce que ton miroir ne te montre pas. Tu vois? Et ça, il faut le prendre en compte. Pareil, si tu veux perdre du gras, tu veux perdre du poids, tu veux perdre du gras, et bien cette balance-là va te montrer des données que tu ne vois pas. Ok? Et ça, c'est très intéressant. C'est intéressant et c'est encourageant. Parce que dans un terme un peu plus traditionnel, quand tu fais une diète ou quand tu fais une prise de masse, tu vois la balance et tu vois le chiffre monter ou descendre. Et ton humeur se fait en fonction de ça. Maintenant, ton humeur va changer en fonction de plein de choses. Tu auras plein de chiffres, tu auras des courbes, tu auras des statistiques et tu vas avoir plus ou moins une montée ou une descente. Donc, peut-être que ton poids ne va pas changer, mais tu verras ta masse grasse et ta masse musculaire monter ou descendre. Et là, tu verras que ton poids ne bouge pas, mais il y a du changement au niveau de ta masse musculaire et ta masse grasse. Et ça, c'est très intéressant et très important. Ça veut dire que, par exemple, pour moi, qui a un poids qui peut stagner, cette balance pourra me servir. Tu vois, si je veux vraiment contrôler, voir ce qui se passe. Pour une personne qui est débutante en musculation, qui commence la musculation, au début, bon, tu as que monter. Tu veux faire une prise de masse, tu veux faire une prise de muscle, tu as que monter. Mais quand tu vas stagner, bah là, ça va être intéressant. Parce que là, tu vas voir si tu prends plus de muscle, si tu prends plus de gras. Et quand ton poids va stagner, tu vas voir pourquoi il stagne. Parce que tu peux perdre du gras, prendre du muscle. Et ça, voilà, tu as plus ou moins stagné. Et cette balance-là sera utile pour ça. Et pour les athlètes de haut niveau, c'est simple. Ou si tu aspires à être un athlète de haut niveau, c'est simple. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, d'accord? Donc, si vous voulez être footballeur, basketteur, peu importe le sport, tennis, vélo et tout, cette balance-là va vous être utile. Et j'ai même envie de dire, cette balance-là va être indispensable pour vous. Parce que les sports à haut niveau, c'est strict, d'accord? Et même pour percer, il faut avoir un physique adapté, il faut avoir un physique puissant et un physique performant, d'accord? Parce que c'est difficile de percer à mon âge, à 24 ans, à 18 ans et tout. En général, tu perces jeune. Je sais que beaucoup de personnes qui me parlent sont jeunes, s'entraînent jeunes et je suis fier de vous, il faut continuer comme ça. Mais si tu veux vraiment exceller dans ton domaine et aller loin, il te faut une balance de ce type, tu n'as pas le choix. Hormis les sports comme le rugby où là, n'importe qui peut vraiment percer. Enfin, vraiment, si tu es balèze, si tu es en surpoids et tout, tu peux aller loin dans le rugby. Mais pour les sports individuels ou collectifs comme le foot et le basket, là, il faut vraiment avoir une bonne mensuration, poids, taille avec son IMC et tout. Et ça, c'est soit un manager qui le fait pour toi, soit tu le fais tout seul. Ok? Et il est mieux de le faire tout seul parce que quand tu le fais tout seul, tu peux te préparer efficacement et être performant. Et bien évidemment, il y a plusieurs balances, d'accord? Moi, je t'ai présenté la balance Youngdo, ils m'ont fait confiance, ils m'ont envoyé la balance pour que je puisse en parler. J'en ai parlé un peu, comme je te le redis, les liens sont en description. Il y en a plusieurs, d'accord? Il y en a plusieurs à tous les prix. C'est à toi de faire ton choix, à toi de voir ce qu'elles font et voir si c'est utile pour toi avec tout ce que je t'ai dit. Moi, pour ma part, pour l'instant, je vais utiliser la fonction de base. Je monte dessus, je vois le poids, je sors. Si avec le Covid, ben, on est mieux, je me mets dans le foutu S, je refais une saison et là, je deviens un athlète puissant et cette balance-là sera indispensable pour moi. Sinon, cette balance va me suivre, d'accord? Ça veut dire que quand je vais acheter mon manoir, cette balance-là sera dans le manoir. Elle sera à l'entrée directement comme en salle de sport. À l'entrée, comme ça, dès que je rentre, je me pèse,
pour voir si je suis apte à marcher dans le manoir pieds nus. Bon, sinon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.